y est, c'est Chevalier Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, il neige abondamment et c'est trop cool. La neige, regardez. Hop, une trace de pas. Hop. Tac, tac, tac. Oh, des traces de pas. On peut faire... Touk, 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 touk. On peut faire aussi des... Et c'est de la bonne neige en plus, et oh mon dieu, qu'elle tient trop bien. On va pas faire. Et, tu vois, je suis un tardé mental, moi j'adore ça, mais c'est trop cool. Voilà, bon. Petit tireur que j'avais réparé. C'est pas celle que vous avez vue, celle-là, j'en ai là. Avant ici là ça fermait pas. Maintenant ça ferme. Aujourd'hui on se trouve donc pour du bricolage comme d'habitude. Aujourd'hui on va assembler les trois gros morceaux de mon de la table de mon établi. Parce que j'en ai vite. Voilà pourquoi. Voilà où est-ce qu'on est maintenant. Parce qu'ici là, j'ai mis du bois à sécher. Ici. Ici, là, j'avais mis un peu de bois à sécher. Ça y est. Ici, là, j'ai mis un peu de bois quand même. J'ai mis un peu pour être plus croyant. On va réchauffer un peu. Ça aussi derrière je crois que dans ça un petit chauffage d'appoint. Sinon l'hiver je vais me cailler. Voilà donc ça c'est des palettes que j'ai démontées, tout ça là je vais en faire une partie je sais pas. Puis après ça c'est le bon bois, faut toujours jouer avec des coups. Mais c'est bon. C'est du bon petit bois bien solide, hein. Avec quelques nœuds tout ça, parce que bon c'est quand même du bois de palette, faut pas obliger germaine. Mais il faut aussi que je fasse un petit coup de balai. Donc tout ça, je vais pouvoir les enlever. Tout ça, je vais pouvoir les enlever. Et puis, je pense que une fois que c'est fait. Voilà, tout de suite. Voilà. Voilà, donc coupé de vis sur la tête, puis là j'ai un bois sur lequel j'avais percé un trou longtemps. C'était un truc pour ma remorque pour vélo. Et puis puis ça m'avait jamais servi au final. Enfin si ça m'avait servi, mais vous voyez ça a cassé. Et du coup voilà. Et donc là je m'en sers du coup pour manger du coup deux planches de palette. Donc bah je vous invite à y aller pour le voyer et puis voilà.
Voilà. L'arme. Alors. Ça ici, il a un peu de taille, mais voilà. Et ça. Alors. Avec un de mes côtés, c'est non, même pas. C'est pas grave. Et... 22,5. On va compter 22. Du coup, on fait 22 plus 22. Comme ça sera à la moitié de l'un, entièrement celui du milieu et moitié de l'autre. Du coup, on fait 22 plus 22, 44. On fait 2 en plus 44 comme ça. Et maintenant, on va penser à la coupe. Toujours. Ouais, ça c'est. Encore. Pour la coupe, ça va être simple. Fonji, puis tchac tchac tchac. Maintenant, on va juste passer au montage. Voilà, donc c'est bon, ça c'est terminé. Alors là c'est dans le mauvais sens, parce que dans ce côté là c'est... Bon, en gros là vous voyez le mauvais côté, parce que ça c'est ce qui est en dessous, ça c'est ce qui est au-dessus, enfin tout ce que je dis. C'est... Donc là c'est fini, enfin, sauf si j'y joue en coupe fonceuse ou brabo. Donc là du coup s'il n'y a pas des points qui dépassent, sinon je vais mettre le rabot électrique. Parce que bon, je peux en faire ça maintenant, je sais pas quoi. Parce que j'ai même pas de rabot en main. Bon, et après j'ai récupéré ces 4 gros morceaux de bois. Non, je crois que c'est les mêmes. Ouais, c'est même plus, ils sont plus large que long. Non. Plus large que profond. Voilà, grosso modo. Bon. Du coup, je vais utiliser du coup ça. Il faut que du coup je passe des piquets. Hein. Ah. Ouais, ça c'est à quelle hauteur ça? Ça c'est à 10 cm. Du coup ça veut dire
qu'on va faire. C'est une chose de mettre ça. Non. 7 cm. Non, 8. 8 cm. Bon, du coup, ça veut dire du coup qu'on va se faire avec une table. Avec 8, ça peut pas avec 8. Ouais, oui, avec 8 cm. Du coup, on va faire des 4 trucs de 1 mètre. Et puis, on se retrouve une fois que. Enfin, vous allez voir comment je vais les couper. Voilà, voilà, tout de suite, une fois que c'est fait. Ok. Alors là, ce que nous allons faire maintenant. Wow, Jean-Michel Racisme, bonjour. On peut dire que j'ai du bol. Du riz. Voilà. C'est que bah, je vais tout le monde placer des épées. Voilà, de cette façon là. Là je passe en voix parce que ma caméra n'avait plus de batterie. Alors bon, comme vous pouvez le voir du coup après j'ai lissé tous les pieds. Voilà, comme montré sur cette magnifique image que voilà. Alors c'est plus facile depuis deux pieds, j'en fais ce que l'on tient encore un peu. Après j'ai fait en bas un peu un espèce de tour en bout en plan morceau de palette parce que c'était du coup de la stabilité à la structure, du coup c'était pratique, c'était plus solide. Voilà, donc c'est un pareil rapide, hein, voilà, je prends deux fois les mêmes mesures et puis après ça c'est l'image du coup du terrain avant que j'ai mis des tables. Ça du coup ça c'est après, donc comme vous pouvez le voir du coup avec sur le côté avec en dessous des bois de palette et puis sur le côté des bois, d'autres bois et tout ça. Ça fait quand même du coup une certaine surface de travail, c'est pas mal. Par contre c'est un peu haut, du coup je suis là sur le vide, c'est bien aussi. Je pense que sinon j'aurais juste à faire un CRG. Voilà, donc je vais pas tout avec tout le bois qui vient un peu sur le côté encore. Voilà, donc après il me restera encore mon étoile à installer. Au revoir.